c'est toujours une énergie qui peut être bien-être, qui peut être paix intérieure, qui est étude d'esprit, tout ça qui est harmonieux, tout ça qui peut être la joie dans le cœur, dans la tête, dans la vie, nous, que l'émission Chanel Haïti en action Minute Spirituelle rentre la caille nous chaque semaine. Nous-mêmes qui abonnés à Chanel Haïti en action, nous-mêmes qui habitués suivre l'émission Minute Spirituelle avec l'autre émission qui est diffusée sur Chanel Haïti en action, moi saluer nous encore aujourd'hui, qui c'est 28 mai 2023. Ma profite occasion pour saluer honneur et respect pour tout maman sous planète là. Parce que y a célébré fête maman pour mois de mai. Dans la tradition l'église catholique, d'où le mois de mai est le mois de Marie, le mois de mai est le mois de la Vierge. Mais dans l'église, il y a deux vierges. Gon vierge qui a un petit petit soubral et gon l'autre vierge qui passe avec un petit monde. Soit elle rete comme ça, soit elle rete comme ça allongée. Nous espérons dans la prochaine émission, nous avons qui raison de qui prévient, de qui manigance, il y a deux types de vierges. Même la Bible li parle nous dans la parabole des 10 vierges. Li parle nous de vierges sages, li parle nous de vierges folles. Question ça a mérité débattre. Nous espérons dans le prochain sujet, nous va éclaircir avec vous. Mais nous faisons part de vous en attendant. Je remercie encore Madame Jenny Chéron. Je remercie encore tout le monde qui est abonné à Chanel Haïti en action dans l'émission Minute Spirituelle. Moi souhaite nous pral passer un très bon moment là pour semaine là qui commence jeudi dimanche là 28 mai 2023. Encore jeudi à sous demande Madame Jenny Chéron, nous pral parler d'un gros énergie que nous habitués tant de parler de lui, nous qu'on habitués tant de non, mais nous pas gagné trop d'informations sur lui-même. Eh bien, pour laisser aborder lui avec nous et pour répondre à Madame Jenny Chéron, nous pour le définir qui est Damballa, Damballa, D-A-M-B-A-2-L-A-H. Du point de vue numérologique, du point de vue scientifique, du point de vue spirituel, il est écrit comme ça en réalité. D-A-M, trait d'union, B-A, trait d'union, 2-L-A-H. C'est maître spirituel de haute fréquence, d'amour et de lumière qui t'a fait leçon ça avec moi. Ça a gagné près de 2 mois de cela. Même Jean pour Dante, trait d'union or. 3 codes secrets qui représentaient 3 chiffres dans l'univers là paraît dans le nom Damballa. Un nom, non seulement c'est un mot, c'est une énergie, c'est une fréquence, c'est une vibration. Dam,
415 et 49. Bas, 2 plus 1, bord 3. La, 2 L, A, H. 3 et 3, 6. 6 et 1, 7. 7 et 8, 15. 1 et 5, bord 6. Libre les 3 codes secrets, les 3 chiffres sacrés qui sont à la base de tout univers là. Le chiffre 9 en tête, le chiffre 3 à gauche et le triangle, le chiffre 6 à droite et puis le triangle est fermé. 9, 3 et 6. 9 et 3, 12. 12 et 6, 18. 1 plus 8, bon 9. Alors, ma parole est en connaissance de cause. L'on dit Dambala ou interpeller Dieu qui est à la base de toute création. Énergie première qui est à la base de toute création. Qui c'est une énergie androgyne. Principe androgyne, ça, où je viens dans tout univers là. Qui c'est un principe binaire, qui repartit en genre masculin et genre féminin. Étant donné que nous créons en tant qu'être humain à l'image de l'univers, c'est ça que fait l'autre là, d'où connaître toi-même. Et tu connaîtras l'univers et les dieux, parce que l'homme l'y construit à l'image de l'univers. Il est le microcosme dans le macrocosme. C'est un univers en miniature que nous y est. Parce que tout ça qui fait partie de l'univers là, les coder dans nous-mêmes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Dambala est Dieu. Et origine de tous les dieux avec des minuscules. Dieu Dambala, Dieu de la création, visible et invisible, eh bien, Dambala, c'est origine de tout Dieu, petit d. Gon passage qui illustre ça dans la Bible là. Le tapkou de Jésus-Christ qui te dit que lui c'est Dieu manifesté dans le pays, il te dit, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dambala, et Dambala l'ichita dans l'homme. Étant donné que Dambala sont être androgyne, yo gen tendance à départager yo masculin à droite, Dambala et féminin à gauche, Aïda. Nous repartis en androgyne parce que nous à la fois mâle et femelle. Dans chaque homme, il y a le principe femelle. Dans chaque femme, il y a le principe mâle. M accent circonflexe LE. Polarité qui prédomine après elle déterminer comportement sexuel. Nous connaissons l'emblème docteur qui est symbole de Dambala. Il y aurait le cadur CDMS qui a deux couleurs qui croisent
dans un poteau mi-temps. Poteau mi-temps, c'est la colonne vertébrale. Nous. Et Dambala Aïda croisé, entrelacé, fait youn. C'est vrai, vevè Dambala ça. Mais le représente au Dambala, côté partie droite là pour contre lui à droite, partie gauche là pour contre lui à gauche, les baou yon tendance. Conseil de ordre mystique, ésotérique et exotérique, qui chita sous même principe ça. Le ap fait cérémonie, ap fait réunion, yo mette garçon yo à droite et puis yo mette femme yo à gauche. Yo sépare femme yo de garçon yo. Garçon bon droite, femme bon gauche. Gen d'autres courants qui fait tous les deux fait un seul. Alors, yo di Dambala li symbolise la connaissance. Nous sommes là, Dambala est le Dieu tout-puissant, énergie créatrice, univers manifesté. Parce que en tant qu'être androgyne, principe masculin-féminin, pour toute création possible, pour toute espèce perpétuée, faut que ça fait à partir de principes binaires là. Pardon. Non, symbole qui représente Dambala, nous avons deux types de Dambala dans le cas du C qui représente docteur. Symbole yo. Nous avons un caducé qui a deux cordons entrelacés qui en forme de serpent. Comme ça, tout a un bâton qui a un seul serpent qui est enroulé là-dedans. Ça qui a un seul serpent, il est capable soit c'est Aïda qui sou moun nan, soit c'est Dambala qui sou moun nan. Parce que nous chaque nous gon serpent sous nous-mêmes qui symbolisait Dieu de la création, qui symbolisait Dambala et dans sa partie féminine Aïda. Même principe sont joignés dans la discipline spirituelle l'Inde. C'est-à-dire le yoga, Shiva, Shakti, Ida, Pingala. Soleil, lune. Lune c'est féminin, soleil c'est masculin. C'est manifestation concentrée de énergie Dambala. Dans toute création, principe masculin, principe féminin. Il y a des gens parfois qui naissent avec deux sexes, ils sont hermaphrodites. Ils ont à la fois pénis et vagin. Cohabiter dans un seul corps. Mais espèce ça a été monnaie courante dans le continent mu. Les Lémurie, à l'aube de l'humanité, puis fort monde qui était existé en tant qu'espèce humaine, était hermaphrodite, pour ne pas dire androgyne. Tous les deux sexes étaient cohabités dans un seul corps. Le clitoris de la femme, c'est son pénis. Le point G. C'est chez l'homme. Il symbolise le vagin de la femme. Conseil de comportement sexuel que nous avons. Nous sommes là, nous sommes là et nous sommes toujours là tout autant que l'espèce humaine dans la dimension que l'IA.
ont caractérisé plusieurs types de comportements de espèces humaines. Il y a des gens qui sont bisexuels. Il y a des gens qui sont hétérosexuels. Il y a des gens qui sont homosexuels. Un homosexuel mâle, par exemple, il y a la recherche de homosexuels femelles. Un homosexuel femelle, il y a la recherche de homosexuels mâles. Dans la relation entre deux, il y a une qui est passif, femelle, il y a une qui est actif, mâle. C'est l'androgyna qui se manifeste de cette façon. Nous avons dit tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont un seul cordon serpent sur eux-mêmes, qui sont capables d'énergie féminine, même les garçons, qui sont capables d'énergie masculine, même les femmes. À la Dambala, c'est Dieu Tout-Puissant de la création. Il est tout Shiva, 50% féminin, 50% masculin. Shiva est à la fois 50% féminin, 50% masculin. Ça veut dire son être androgyne, équilibré. Et nous tous nous appelons à réaliser l'équilibre ça dans nous-mêmes. C'est ça tout travail d'évolution et de développement spirituel là lié. Fait en sorte que masculin et féminin yo polarisé yo fait un seul en nous-mêmes. Laissons vivre nous être androgyna. Laissons suspendre chercher garçon dehors, ou suspendre chercher femme dehors parce que ou vivre nous être complet, autosuffisant, réalisé. C'est sa réalisation, oui. Arriver à unir les deux polarités dans nous-mêmes, mâle et femelle. Dambala Aïda, Shiva Shakti, Pengala Ida. C'est ça tout travail là. C'est là pour le fait. C'est là pour équilibre ça, l'y réaliser. On a incarnation ça, on a un corps ça. Eh bien, c'est vraiment ma question raison ça, on vient régler. L'encore ça, ou t'es raté peut-être par des incarnations, ou vient au courant de lui, malheureusement, il y a un bon monde qui vient, qui a gaspillé quoi, qui n'est pas facile. Il y a un bon désincarné qui a besoin de quoi, pas qu'à joindre. Voilà que il y a un bon monde qui prend quoi pour évoluer, pour faire genre de travail ça sur eux-mêmes, pour matérialiser dans le bal là, l'androgyne dans le concret, dans le monde physique là, pour être capable de dire que le monde qui est ouais, c'est dans le bal là, ouais. Et lors du Dambala où tout inclut Aïda, lors du Shiva où tout inclut Shakti, lors du Pengala où tout inclut Ida. Dambala, il est dans toute création en tant qu'énergie première, origine de tout côté bagayo sorti. Qui manifestait sous forme serpentaire. Nous songeons dans l'Ancien Testament, pour les gens qui lit la Bible, lorsque le peuple a été dans le désert là, eh bien, il était gagné une série de serpents, tout serpent pas forcément dans Bala, cap mordeli, et il dit l'Éternel te dit Moïse, là fait un serpent d'airain. La mettez le camp sur un pied bois et tout le monde qui est malade va passer, va garder ses pensées et va joindre la guérison. C'est le symbole de la médecine, c'est le symbole de la santé, c'est le symbole de la guérison. Dieu Dambala, c'est Dieu de santé. Dieu Dambala, c'est de lui-même toute connaissance sortie, la connaissance du bien qui est à l'origine de l'univers. C'est pas détérioration d'une série de énergie dans désintégration yo qui vient bon connaissance ça aurait les connaissances négatives qui allait à l'encontre de la création dans sa totalité originelle de haute fréquence de Dambala en tant que énergie première.
D'en bas là, c'est la connaissance du bien, l'esprit de discernement. Sauf fait tel bagaille qui côté la menon. Est-ce que côté la menon là, la positif pour vous ou le contraire? C'est sa connaissance d'en bas là symbolisée, représentée, la vraie. La connaissance qui donne le bien-être, la connaissance qui donne l'équilibre, la stabilité, paix intérieure, quiétude d'esprit, abondance matérielle et spirituelle dans le sens positif de la création. L'ONU est toute belle image qui a venu de deux télescopes géants que la NASA et la science et d'autres sites scientifiques, astronomes et physiciens et autres sous planète là. L'ONU est deux Hubble, premier appareil, James Webb, deuxième appareil, qui a scruté l'univers, le cosmos, à des distances incroyables, inimaginables, qui dépassent l'entendement humain. Et bien après, comment Dambala est grand. Louange, gloire, honneur et mérite à mon père Dambala. Mon gonflaise qui postait sous paille Facebook moyen. Edner Fleurant, EDNER Fleurant, FLEURANT. Profil maillot jaune abricot, m'chita en méditation, les yeux fermés, pantalon vert, en pied croisé, cap médité. C'est le sous profil WhatsApp moyen, image ça. L'autre tape Edner Fleurant sur Facebook, c'est sous lui pour entrer. L'homme était dans le canal 11 de 2000 à 2005, pendant 5 ans, fait émission Force Intérieure. Des Africains qui étaient de passage en Haïti, TOM, dans l'émission. Et puis après, au terrain, les moins, ils demandé mes informations, nom, prénom, date, heure, lieu de naissance, en photo. Après 3 mois, ils ont un site qui était les Chamki, qui a gagné peut-être 3 ou 4 ou 5 ans depuis qu'ils ont campé sous l'île, ils n'ont pas fait encore. Vous avez dit, vous profitez pour un bail sur ce site-là, vous avez pour vous faire mal. Chamki consultant, vous avez mis sur ce site-là et vous avez posté comme ça, moi j'ai une preuve là sur paille Facebook. Edner Fleurant, fils de Dambala et de Freda, produit du rayon de la Proto Jacques. Animateur d'une émission téléspirituelle dans les Caraïbes. Au grand structure. Au grand structure. Cherchez qu'on ait hérité là-dedans. Structure Pamna, c'est Dambala, Freda, Saint-Jacques. Les cachés dans nom, prénom, date, heure, lieu de naissance. Sous besoin qu'on triangle parfait ça à deux même. Et comment pour demeurer là-dedans, pour tout à fait bien, et bien capable de donner sans ça, souvler. Téléphone moins 37 14 30 13, l'ipagin WhatsApp. L'on pas joindre mon kit texte SMS. WhatsApp c'est 38 13 89 73. Edner, EDNER, Fleurant, FLEURANT. Connaissance d'en bas là-bas, les chita dans la nature là, parce que tout ça dans la nature là, vous venez de d'en bas là, en tant qu'énergie universelle, principe première de la création, à l'origine de sa scientifique corrélée, Bing Bang, la grande explosion. Et bien la première énergie à faire son apparition, c'était la lumière. Et à partir de cette lumière, la création va commencer. C'est l'énergie de Dieu, tout-puissant suprême, force cosmique,
force universelle. Dambala, mon père. Idner Fleurant, fils de Dambala. Dambala, énergie qui cache dans toute création, dans tout univers là, que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, et les multivers, les galaxies, les étoiles, les planètes, et j'en passe. Dambala codé en 369. C'est Nikola Tesla, le grand scientifique, le grand physicien. Le grand astronome et astrologue qui te bail révélation ça, bien qu'il te existait bien avant, mais il te vient accentuer dans les années 30, lorsque il te dit si nous voulons parler de univers là, faut parler de univers là en termes de énergie, vibration et fréquence. Il te dit, d'après recherche, il y a trois chiffres sacrés qui sont à la base de toute création. Chiffre 9, chiffre 3, chiffre 6. Et l'on totalise 9 et 3, il y a 12. 12 plus 6, bon 18. 1 plus 8, bon 9. L'on totalise Dambala, il y a 9. Sou gagnel ou gagne tout esprit, toute divinité dans l'univers là. Parce que c'est une dans tout, tout dans une. Il accueille tout le monde en forme serpentaire. Si astrologie qui caractérise lui, il commence du 29 novembre au 17 décembre. Si astrologie 13e signe serpentaire. C'est sous les fréquences Haïti Chita. 13e montagne sacrée de la planète, 13e signe astrologique qui a rapport avec la 13e constellation qui chita au centre de notre galaxie appelée Voie lactée, non grande lumière. Le 13e signe astrologique serpentaire. Haïti, c'est gros côté, c'est pays bondier, c'est pays d'Ambala. Ak fè nou wè malaise comme l'aise dans pays ça. M'kay papa moi qui mettait là pour faire travail si met la connaissance parce que m'c'est petite li. C'est petite lumière, c'est petite bondier, c'est petite la connaissance. C'est petite Dambala. Pas fait l'hôtel Dambala moi. Li en grand Jean sous forme de triangle. Dambala. Freda. Saint-Jacques dit au Goubalendjo, ou même au besoin qu'on triangle pour là, et pour rester dans triangle pour là. Dambala chita dans la base colonne vertébrale, nous en tant que principe féminin Aïda, qui aurait les Shakti Kundalini na yoga. Dambala chita dans la fontaine tête, nous en tant que principe masculin, qui aurait les Shiva et 13e signe astrologique serpentaire qui chita là. Dans la mitan fontaine tête nous. Tout le monde qui petit Dambala qui gagne dans la mitan fontaine tête, yo 13e signe astrologique là du 29 novembre au 17 décembre qui représenté par le soleil, lumière concentrée dans le système solaire nous en de Dieu. De la création, papa bon Dieu, grand maître, la soleil et la Dambala, jaune soleil et blanc, jaune or et blanc le dimanche, vert et blanc le jeudi. Ou gen Dambala à coup, ou gen tout esprit à coup. Parce que tout esprit sorti dans Dambala. Même le fils légataire, lègue, lumière, bat papa. Yo di nan créole connaissance c'est richesse. N'ap viv nan la mère nature qui sorti nan Dambala principe féminin ni.
curé les Gaïa, curé les Dant, 4 et 5, 5 et 5, 10, 10 et 2, 12, 1 et 2, 3. Or, OR, 6 et 9, 15, 1 et 5, 6, 3 plus 6, bon 9. Alors, énergie d'Ambala, c'est énergie de la création, c'est énergie Dieu, de la connaissance, de la médecine, de la guérison. C'est ça que fait nous être tout docteur, yo gen emblème ni sous vite machine yo. Parce que connaissance c'est richesse. Nous espérons que nous te répondons à demande madame Jenny Chéron de Chanel Haïti en action dans émission pour 28 mai 2023 là. D'Ambala, qui est-ce lié? Il symbolise connaissance. Qui connaissance? Bonne semaine à nous tous.